You look lonely. I can fix that. Puta, takar swadam. Talhusa swalim shala. Dantan hawanta, sila salwa. Bar qua utams manai. Ça c'est bien parce que ça fait un très beau résumé du premier épisode. Eh bien salut à toutes et à tous la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de notre incroyable aventure sur Far Cry Primal. Voilà, ça vaut mieux que 1000 mots à cette petite introduction rapide qui fait un beau résumé. Et pourquoi ils n'ont pas gardé ça sur les autres Far Cry? Voilà, je ne comprends pas. Parce que ça permet de ne pas perdre la main. Bref les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le premier épisode. Et j'espère que vous allez apprécier tout autant la suite, puisqu'aujourd'hui nous avons un beau programme, hein. On est dans le village et on va aller donc faire le bûcher de Nakuti, une sorte d'avant-poste, hein, sur les Far Cry. Et puis on va aller voir Tensai, le chaman, et non pas le chaman bien sûr. Je disais le chaman dans le précédent épisode, je ne sais pas pourquoi, j'étais un peu fatigué je crois. Bref, c'est facile, c'est le début du jeu. Bien sûr l'idéal ça aurait été d'avoir une peau de sanglier supplémentaire, je le rappelle, pour pouvoir confectionner bien sûr ici le sac à viande. Mais bon, avec un peu de chance on en croisera sur le chemin, ou peut-être pas. Mais voilà, on va pas faire un détour, et pourquoi pas. Oh, et pourquoi pas faire un détour, de toute façon on s'en fout. On va là et on va passer par ici le sanglier et puis c'est tout. Non, je sais pas pourquoi je me prends la tête. Sans déconner. T'as envie de faire caca? Non, parce qu'en fait, c'est à dire que bon, la map est peut-être grande, machin, mais ça la classe pas non plus immense. Donc ça vaut le coup quand même d'y aller, hein, en trois coups. En trois coups de marche, on arrive dans la zone de sanglier. C'est magnifique, regardez, le soleil est en train de se coucher. Peut-être pas la meilleure idée du coup de se promener la nuit. Waouh, mais c'est beau, ça change absolument du premier épisode. Là, l'ambiance est complètement folle. J'ai l'impression qu'il y a moins de brouillard, on voit beaucoup mieux plus loin. C'est absolument magnifique. Allez, c'est parti, on va se choper un petit sanglier donc. Et les butins respawn. Les butins respawn, vous savez là sur les arbres là. Là, ça par exemple, ça respawn. Donc je suis plein, ça. Oh, un sanglier. Il y a un sanglier là. Allez, go, go, go. Alors attends, bouge pas. Paf. Voilà. Fous-lui la paix, toi. Oh là, c'est une course-poursuite contre la montre. Va-t-on y arriver? Parce qu'ils vont super vite, les salauds. Hein. Ils vont super vite là. Ils vont m'emmener à l'autre bout de la map. Vraiment là? Non mais on va jamais... Bah au final on va arriver à l'objectif. C'est bon, il est mort. Et lui aussi. Allez, deux pour le prix d'un. Merci mon ami le Dole de m'avoir abrégé, de m'avoir aidé finalement dans ce travail. Et donc du coup je vais pouvoir, messieurs dames, confectionner le sac à viande qui va nous permettre dès à présent de transporter 3 appâts, 12 portions de viande et 12 portions de graisse animale. J'ai plus qu'à avoir 2 pots de dole pour pouvoir porter encore plus, 6 appâts et 20 portions de viande, et ça c'est incroyable. Donc les doles en plus, on est vraiment dans leur zone, donc c'est juste parfait. On va se rendre d'abord évidemment dans notre objectif, c'est magnifique. Mais par contre ouais, le soleil qui se couche, je sais pas du tout ce qui va se passer. Je vais pas te mentir que je suis pas forcément serein. Et pas forcément. Alors à tout moment on peut se téléporter dans notre village. C'est vrai, il faut garder ça en tête. Oh les cerfs. À tout moment on peut se téléporter dans notre village, si on n'est pas en combat il me semble. Et donc du coup on pourrait se reposer et faire passer la nuit. Ça peut être une idée les gars. Wouah. C'est quoi ça? C'est une chèvre, hein. Oui, une grotte là aussi. Bon, s'il fait nuit autant aller dans la grotte en vrai. Alors toi, tu commences pas à me choper par le callback. N'oubliez pas le pouce bleu bien sûr en ce début d'épisode. Le petit commentaire également qui fait plaisir. Alors le petit commentaire vous pourrez le mettre à la fin pour dire un petit peu ce que vous en avez pensé, parce que vous avez des astuces également. Mais bon, vous avez vu que je suis quand même plus à l'aise sur Far Cry que sur Prey, hein, évidemment. C'est vrai que j'ai pas forcément besoin d'astuces parce que Far Cry c'est vraiment ma cam. Et c'est Far Cry Primal pour le moment. Pour moi c'est comme le 3 et le 4.
Comme dit Far Cry 5, je suis pas à l'aise. Mais là jusqu'ici franchement tout va bien. Donc là on a une grotte où j'ai fumé la moquette. J'ai fumé la moquette. Par contre on a une liane ici qu'on peut monter. Alors on va aller voir, prendre de la hauteur. Et puis je pense qu'on va vraiment se téléporter au village et dormir. Parce qu'on va juste pas s'amuser la nuit. On va juste se faire goumer et là c'est pas le moment quoi. C'est vraiment pas le bon moment pour avancer dans l'histoire. Ah voilà la fameuse nuit. L'obscurité de la nuit rend le monde bien plus dangereux. La visibilité est faible et de nombreux prédateurs se mettent en chasse. Explorez pendant la nuit pour découvrir des bêtes, des plantes et des objets uniques. Ah ça c'est bon à savoir. Enflammez donc les armes qui nous permettent évidemment de leur faire peur. Mais bon on n'est pas non plus invincible. Donc je propose quand même qu'on se téléporte au village et qu'on se repose parce que c'est vraiment pas le moment. C'est vraiment pas le moment de faire des trucs bizarres. Là on a un objectif ici à faire, le bûcher. Et ça si on le fait la nuit si on fait ça la nuit voilà, on va venir avec notre flamme, on va se faire repérer quoi. Et là on a un lieu inconnu également. Donc ouais, on va se téléporter hop au village. Si le jeu nous le propose, bah il faut en profiter. Et on va voilà se reposer. Oh, dormir jusqu'à l'aube ou dormir jusqu'au crépuscule. On peut choisir, mais c'est incroyable. Donc ça veut dire qu'à tout moment on peut choisir de mettre la nuit justement. L'aube. C'est l'aube ou le crépuscule? Oh mince. L'aube. Crépuscule. Crépuscule c'est le soir il me semble hein. Et l'aube c'est le matin. J'espère que c'est ça hein. Je suis un petit peu nul j'avoue. L'aube c'est le matin me semble-t-il. Stop play, ouais c'est bon. Magnifique, regardez-moi cette belle cinématique. Avec notre sœurette qui est là dans la caverne bien sûr. Voilà, donc là on va pouvoir profiter de toute notre journée complète. Ça va être beaucoup plus intéressant. Évidemment quand on aura besoin de découvrir des trucs de ouf, et bien à ce moment là voilà, on explorera la nuit. Mais voilà. Et puis je rappelle que dans le dernier épisode à la fin on a découvert également des grottes empoisonnées. Enfin il y avait de la poussière de poison. Donc à tout moment on peut se faire empoisonner par les ennemis ou par des grottes. Et bah, pour le moment on peut pas y aller. Tout simplement hein. Tant qu'on n'a pas d'antidote. Voilà, il va falloir qu'on confectionne, qu'on trouve, je ne sais pas encore comment, mais des antidotes qui nous permettront de survivre au poison. Et à partir de là on pourra commencer à explorer en effet ces fameuses grottes empoisonnées quoi, si je puis dire. Allez, on va descendre par là. Débloquer le griffe grappin dans le menu confection. Et alors comment on fait pour débloquer ça? Griffe grappin, c'est pas ici, c'est pas ici. Je crée des liaisons qui n'existent pas, c'est incroyable. Griffe grappin, on n'est pas encore obtenu. Ah, progresser dans les missions de Woga, le fabricant, pour débloquer cet objet. Donc c'est pas pour demain la veille. C'est pas pour demain la veille. Mais bon, on y arrivera et ça, ça fait plaisir. Allez, on va récupérer, comme d'habitude, des choses. Qu'est-ce que c'est que cet animal? C'est quoi? Ça, c'est des chèvres. Hein. Jusqu'ici, tout va bien. C'est pas un problème. Ce sont que des chèvres. Hein. Tout va bien. Très bien. Ok. Ce ne sont que des chèvres. D'ailleurs je peux me permettre hein, de tuer malheureusement ces pauvres animaux puisque je peux j'ai plus de place hein, dans mon inventaire pour les animaux. D'ailleurs hein, c'est simple hein, vous regardez. J'ai... ah non je peux même pas voir la place ici que j'ai. Comment je fais en fait? Viande 10. J'ai 11 viandes sur moi d'accord. J'ai 11 viandes sur moi et là je peux en transporter 12. Ah oui donc c'est pas non plus la folie hein. J'ai qu'une seule place supplémentaire en réalité. Là il y a un butin mais pareil j'ai pas de place encore dans mon inventaire pour avoir plus de choses. Vous constaterez que c'est pas 392 mètres, c'est 392 pas qui nous séparent de notre objectif. Puisque bah, les mètres c'était pas non plus l'unité de mesure à l'époque hein, si je puis dire. Bon on va quand même essayer. En vrai sait-on jamais si on débloque un truc. Ah ouais tu vois on récupère quand même de la graisse animale hein. C'est important hein, pour enflammer les... Ouais ouais donc faut quand même récupérer les butins même si on n'a pas forcément de la place illimitée. C'est une bonne idée. Mais comme je suis très confiant, comme il fait jour, je cours à tout va alors qu'on est vraiment dans un monde très hostile. Il me semble que j'ai plus de place pour l'Aulne. Bois d'Aulne. Bois dur. Si j'ai de la place encore, très bien. Ah non, il n'y a plus de place. Ok. Je vais me faire foutre. Ah, ça crie. C'est en train de crier. Il y a du cannibale dans l'air. Enfin, du cannibale, pardonnez-moi. Hein. Ce sont des... mince, je sais plus comment on appelle ça. Oh, c'est quoi ça? Feuille verte, très bien. Très très bien. Qu'est-ce qu'on a là?
J'ai l'impression qu'il y a un truc secondaire qui vient d'apparaître. Événement Wenja, escarmouche. Ouais, c'est vraiment la sauce Far Cry, j'adore. Aider les Wenja à repousser les envahisseurs. Oh bah justement, oui. Alors bougez pas. Ok. Toi t'es mort. Toi t'es mort. Et ce sera pas mal déjà. Voilà. Impeccable. Bah, c'était relativement facile et rapide. On va aller discuter avec nos frérots. Salut mon gars. Off to high. D'accord. Moi je pensais que je pouvais le recruter. Population 3. Ah bah voilà. On l'a recruté. Let's go. Parfait. L'idée c'est d'agrandir notre village. Hein. Voilà. L'idée c'est vraiment de d'être tous unis contre les envahisseurs, si je puis dire. Mais finalement, qui sont les envahisseurs? Sommes-nous pas nous-mêmes des envahisseurs? Alors. Gentil. Gentil ça. On a vu à l'intro de vidéo que c'était compliqué à abattre ça hein, quand même. Hein. En même temps, c'est tentant. Hein. On peut pas leur monter dessus en vrai? Attendez, je vais ouvrir la carte à pouvoir où on est. Eh, il y a des sangliers ici en plus, t'as vu? Donc, ouais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il y a des loups également qui nous attendent. Bon, très bien. On va revenir sur nos pas quand même. Alors, attends. Parce que vous avez vu sur le radar, il y a un truc qui m'a couru dessus là. Ça va être un loup, hein. Ouais, je sais pas. Bon, je te laisse gérer, mon gars. Hein, tu sais comment ça se passe. Hein, tu connais mieux que moi la forêt, je pense. Et puis on va monter par là évidemment. Tu vois, regarde, on peut pas. Aussi, il y a moyen de glitcher. Oui. Je crois qu'il est content. Ah oui, je crois qu'il est content. Aïe. C'est bon. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il se fait un petit peu remarquer quand même. Hein. Enfin, après, voilà, en termes de discrétion, il y a mieux quoi. Allez. On se rapproche petit à petit. Regardez-moi ces paysages. Regardez-moi cette beauté. Non, mais franchement, sans déconner quoi. Je suis passé à côté de ce jeu. Hein. Ça, comme dit à l'époque, ça ne m'intéressait pas du tout. Pour être très honnête, hein, vraiment, pour moi, Far Cry, voilà, j'étais très réticent. Pour moi, Far Cry, c'était Far Cry 3, Far Cry 4, grand max. Ça s'arrêtait là. Far Cry 5, j'avais jamais touché. Et puis j'ai repris goût avec Far Cry 6. Puis ensuite j'ai tenté Far Cry 5, bon comme dit vous connaissez hein, mon expérience s'est pas très bien passée. Et enfin Far Cry Primal aujourd'hui, voilà pour ma première fois. Et pour l'instant je ne regrette pas et je pense pas que je vais regretter. Parce que quand ça commence comme ça généralement une aventure, tu sais que tu vas kiffer techniquement jusqu'à la fin quoi. Ça va pas être facile tout le temps je pense, hein. C'est que le début et on est en difficulté difficile je le rappelle. Mais c'est plutôt pas mal. Hein. Puis, vous voyez que c'est très bien guidé hein, pour le moment. Alors les bûchers sont de grandes balises hein, qui marquent votre territoire une fois capturé. Hein. C'est les avant-postes comme dit. Éliminez les ennemis proches hein, et allumez ces bûchers pour vous en emparer. Les bûchers capturés deviennent des points de déplacement rapides tout en offrant des lieux de repos sûrs et un accès à votre cache de récompense. C'est absolument cheaté évidemment dans la vraie vie, ça n'existe pas. Hein. Parce que à tout moment tu peux te faire reconquérir. Hein. Bûcher de Nakutis. Alors, il y a même pas de méchants. Il y a même pas de méchants là. Ah si, je vois des odeurs là-bas. Là. C'est des odeurs d'animal. Mais il y a pas de méchants. Ok, bah pour ce premier exemple, il y a pas de méchants. Du coup, bah pour l'allumer, rien de plus simple. Hein, tu prends ton gourdin, tu l'enflammes et hop. Et voilà. Si facile. Oh l'aigle. Incroyable. Bûcher de Nakuti 1 sur 16. Revendiqué. Donc ça fait quand même pas mal d'avant-poste hein, mine de rien. Ok. Quand vous capturez un bûcher ou avant-poste ennemi, vous débloquez un nouveau point de déplacement rapide. Oui, c'est plutôt un pylône radio finalement les bûchers. C'est pas un avant-poste, attention. Qui vous permet de parcourir le monde plus vite. Hein. Vous pouvez aussi utiliser le déplacement rapide pour retourner à votre village afin de construire ou d'améliorer des huttes. Comme dans Far Cry 6, tiens. Le déplacement rapide en mode survie consomme de la viande. Ah. Ah ah. J'avais pas fait gaffe à ça. Ok, faire attention à ça. Oui, c'est beau là maintenant. C'est magnifique. Hop, graisse animale. Et on agrandit notre population en plus. Donc ça c'est vraiment chouette. On va reprendre ouais, la lance dans la main, je trouve ça trop cool. Hop là.
Est-ce qu'il y a des trucs à checker là en vrai? Non, que dalle. Oh, il est beau le bûcher. Hein. Il est très très beau le bûcher. On prend la feuille rouge et vérifions le coffre. Du coup, est-ce que. Ouais, c'est ça en fait. C'est un Ender Chest hein, pour ceux qui connaissent Minecraft. C'est-à-dire que peu importe où t'es, c'est le même inventaire partout quoi. Peau de yak blanc. Oh. Non, mais ça régale. Comment ça, on a déjà ça? Bon, ça, c'est. Comme dit, c'est la madame qui nous a mis ça dedans, mais. Incroyable. La madame, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Très sympathique. Hein. Bon bah une bonne chose de faite, et maintenant on va pouvoir continuer. Attention parce que là du coup il y a du loup. Il y a même un ours brun là-bas, il y a un feu de camp, il y a un lieu inconnu là, un lieu inconnu là. On va y aller et puis on va se diriger vers le Tansei, le chaman. Aider les Wenja escort. Ok, il y a pas mal de petites missions hein, mine de rien ici et là, c'est plutôt pas mal. Là on a également, bah voilà, là on commence à voir les différents points de téléportation qui vont arriver là, au fur et à mesure, pas mal. Pas mal de chez pas mal. Allez. Voyons voir ce qui se trame par ici. On avance, on avance. J'ai l'impression de speedrun le jeu les amis. Mais d'un autre côté je peux pas prendre plus le temps non plus hein. En vrai de vrai voilà là, on admire, c'est magnifique. Je peux pas prendre plus le temps non plus quoi. Ah, c'est la bagarre, attendez. Avant la bagarre les amis avant la bagarre il y a un butin là. Ah, il est peut-être en bas dans une grotte. Ah bah ça va être le lieu inconnu à mon avis. Ouais, ça va être le lieu inconnu où il y a le butin là. Bon, qu'est-ce qui se passe les loulous? Attendez, j'ai pas de wingsuit moi. Je peux pas non plus faire de dinguerie hein. Aidez les Wenja, j'arrive. Alors toi. Oh putain. Arrête. Oh non. Oh non. Paf. Crac. Oh ouais. Oh merci de m'avoir aidé. Je sais pas qui m'a aidé mais magnifique. Toi t'es gentil. Ah merci de m'avoir aidé. Oh là. Non mais là il se passe trop de choses là. Où sont les envahisseurs? Là. Hop là. Voilà, ça dégage la racaille hein. Ça c'est de la racaille. Voilà. Ça je vous le dis, on n'en veut pas. Ça dégage les envahisseurs. Oh là là, incroyable. Voilà qui est fait. Vous êtes content, c'est bien. Moi aussi. Nouveau population 8. Et on est passé de 1, 2 à 8. Oh là, bonjour. Tanière de Wall quoi. Ouais, donc là, il va y avoir du loup là. Hein. Alors attends, je vais reconfectionner et puis je vais enflammer une flèche. Bon, ça c'est un élan. C'est gentil un élan ça, non? Vous avez vu l'aigle? Il est marqué rouge sur le radar. Donc ouais, à mon avis... bah, je crois que j'ai un collègue qui s'est fait bouffer par un aigle. Hein. Ok, c'est des gentils. Ils sont en train de faire leur prière, on va pas les déranger. Du coup, ils faisaient des prières et tout. Oh, excusez-moi, je suis en train de casser votre temple. Et on a une grotte. Wesh. Ah, mais t'es gentil, toi. Bon bah t'es gentil, c'est bien. Hop. Ça, je peux prendre. C'est toujours un régal d'avoir de la viande. Il n'y a plus de place. Hein. Ah bah c'est superbe. Qu'avons-nous là? Parce que s'il y a du poison, j'y vais pas évidemment. On n'a pas encore ce qu'il faut. Hop, on a des os, mais je n'ai pas de place évidemment. Oh ça, je peux détruire à mon avis. Ça, voyez-vous. Oh, je viens de foutre le feu partout là. What? Mais il sort d'où lui? Ah, je prends feu. Un régal. Non mais il y a quelque chose à faire là, c'est pas possible. Ouais, faut détruire ça. Je sais pas encore comment, on n'a pas d'explosif. On n'a pas non plus inventé encore le canon à TNT quoi. Mais ça, je pense qu'il faut péter. Ça, il faut péter. Mais pour le moment on peut pas, et je pense que le butin se trouve derrière d'ailleurs. D'ailleurs, bah attendez, confection, il n'y a pas un truc explosif? Ah bah voilà, bombe. Bon bah pour le moment on peut pas encore, faut capturer le fort Udam pour débloquer cet objet. Mais voilà, on va pouvoir faire des objectifs, des explosifs pardon. Donc ça c'est très très stylé. Maintenant qu'on est là, on a un feu de camp là-haut et un lieu inconnu là-haut. On va y aller hein. On va explorer par ici. Wesh, mais putain, me fonce pas dessus comme ça. Ça m'effraie enfin. Ça m'effraie. Wow, y a tout plein d'animaux.
Il y a tout plein d'animaux. Je suis tellement discret en plus dans la faune sauvage. Comme vous pouvez le constater, je me dissimule bien. Hein. Dommage. Mais wesh, toi t'es mort. D'accord. Dommage. Voilà. Merci pour votre aide, messieurs. On m'a encore aidé sympathiquement. Ça fait plaisir. C'est toi qui m'as aidé. Merci, mon copain. Guashta. Guashta, comme on dit. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, en vrai. Allez, on va monter. Vous voyez, il y a des petits chemins. C'est mignon. Il y a des petits chemins. Allez. Par contre, attention, on arrive dans la zone des ours. Hein. Ah bah. Alors ça, ce ne sont pas des ours. Oh bâtard. Toi, t'es mort. Désolé, hein. C'est la survie ici, hein. C'est la survie. Bon, à mon avis, je dois être full. Ah non, je peux encore récupérer de la peau, c'est pas mal. Pas mal du tout. Peau de doll. Ça m'a l'air d'être illimité, la peau. Alors, qu'avons-nous là, messieurs, dames? Ça se passe en dessous, donc ça va être là, une grotte en dessous. Donc je viens de me faire arnaquer. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait une grotte ici. Ok. Eh bien là, c'est pareil, tu prends ton feu. Et hop. Bon, alors le problème, c'est que le feu, ça brûle, hein. Faut faire attention à ça. Voilà, attention, ça va être plein de surprises, plein de rebondissements, à mon avis, ce qui va se passer. Je sens qu'on va être déçu. Non, mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. Cet aigle, je l'aime pas. Hein. Oh, je sens qu'on va être déçu. Non, mais c'est bien par là qu'il faut rentrer, non? T'es sérieux, là? Attends, on peut pas rentrer, là? On peut pas rentrer. Là c'est pareil, il faut faire un truc, il faut une hache aussi ou un explosif. Alors il y a certainement une entrée ailleurs alors. Attends, on va faire le tour par là. Calmement, sans pression. Là c'est bizarre, j'aime pas quand quelque chose m'échappe là. Là on a le truc sous les yeux. Par derrière peut-être. C'est souvent comme ça que ça marche le mieux. Ok, ça c'est des chèvres. J'allais dire, il y a que des animaux sympas ici, mais je crois entendre d'autres animaux moins sympas. Bon, ça va, c'est des biquettes. Un peu d'ardoise. Ouais, malheureusement, je pense qu'on va pas pouvoir accéder à la grotte encore. Oh là là. Des ours. Messieurs, dames, nous avons nos premiers ours. Et il y a même des essaims d'abeilles. Regardez, il y a des ruches. Bah, tu m'étonnes, ils adorent le miel, les ours. Tu m'étonnes. Alors on va les laisser tranquilles en vrai. Même si de la peau d'ours en vrai on dirait pas non. Je sais pas pourquoi encore mais Je viens d'attaquer le nid d'abeille mais je suis pas sûr que ça a servi à grand chose. Voilà, bon là je viens d'enflammer le pauvre ours. Oh le bâtard. Attends, il m'a pas vu, ça va. Il a juste eu peur, mais il m'a pas vu. Hop, voilà, c'est vraiment de la cruauté animale hier. Mais on fait des expériences ici, bien sûr, avant tout. Voilà, l'avantage, c'est que bah, y a tout qui prend feu. C'est incroyable, je suis un pyromane. Voilà, voilà. Bah là, on a bien l'air con. Attends, là je peux me frayer un chemin. Bon, là je viens d'enflammer deux ours. Où êtes-vous? Il y a des butins partout. J'ai un ours à ma gauche. Ok. Salut. Et voilà. Ah bah non. Et voilà. Hop. Allez. Ah ouais, il est trop. En vrai, ils sont trop résistants. Je peux même plus l'enflammer. Allez. Oh!
Allez. Ah ouais. Là j'ai usé trop de flèches, il faut que je le termine hein. Il saigne, il saigne, il saigne. Ok, ça c'est des méchants, ils vont s'occuper de lui en vrai, non? Allez-y les gars. T'inquiète mon ours, je suis avec toi. Ah! Il est mort. Il est mort. Ok. Paf. Voilà, allez. Tout le monde se détend. Les gars, j'ai pas le temps pour vos conneries. Moi, je vous défonce toute une tribu et un ours en prime. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon ça. J'ai adoré ce moment. Merci à tous. Du coup, j'ai récupéré une peau d'ours. Alors, pour le moment, on va savoir à quoi ça sert. Par contre, il y a un deuxième ours que j'aurais bien aimé faire. Et il y a un événement d'ailleurs. Événement Wenja sauvetage. Sauver les Wenja capturés. Oh. Ok. J'adore la sauce Far Cry. Alors, je vais m'occuper du gars derrière. Voilà. Et de lui. Ah, il est pas mort lui par contre. Maintenant oui. Voilà. Ça va Wenja? Hop. Très belle coupe de cheveux. Mais attends, hein. Est-ce que vraiment... Je suis là hein, si jamais hein. Est-ce que vraiment à l'époque ils étaient capables de faire des coupes de cheveux comme ça? Ou c'est vraiment de la fantaisie que Far Cry s'est permis de faire là? Parce que moi, je vous jure, j'avais vu des articles que comme quoi ils s'étaient vraiment renseignés, qu'ils avaient fait des recherches, des études avec voilà ceux qui... Du coup ça m'étonne quoi. Pourquoi tu fais le bonhomme? Ah! Putain, il est vif. Il est rapide. Il est trop rapide. Ah ouais. Ah ouais. Soigne-toi, soigne-toi, soigne-toi. Il va trop vite. Il va trop vite. Il est trop rapide. Adieu! Oh non. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar, il m'a senti. Bon voilà, il ne faut pas s'attaquer à plus grand que soi, évidemment. Et comme je peux plus refaire de... Ah si, je peux enflammer. Oh, il y a trop d'ours là. Il y a trop d'ours. Hop, je passe par là. Du ni connu. Et voilà le travail. Bon, maintenant que j'ai enflammé la flèche, on va quand même en profiter. Voilà. Aïe! Ça va, je rigole! Mais ouais, mais mec! Oh ouais. Il est trop chaud, il est trop chaud. Il va trop vite, il va trop vite. Arrête! Improbable. Improbable. Improbable que je m'en sorte. Et en plus je suis en feu, tu sais. Je suis en feu. Oh le cauchemar. Oh le cauchemar. Il est mort. Ça y est, l'ours est mort. Il a succombé de son feu. Ok. Je suis un génie. En fait, fallait juste attendre qu'il... Alors on va juste éviter de mourir. Et on peut enflammer sa flamme, enfin sa flèche grâce au feu même dans l'herbe, c'est génial. Ça a été super bien pensé plutôt que utiliser de la graisse animale ou je sais pas quoi. Ok, bon, on va attendre que ça se calme. Et on va pouvoir dépecer l'ours brun. C'est pas facile. Mais vous allez voir que ce que je viens de faire c'est du génie parce que ça, à mon avis ça va nous être très utile. Ça va nous être très utile. Confection d'ailleurs. Bah je... Eh ben alors attendez, sac à viande, regardez, peau de dôle. Hop là, voilà. Et je peux toujours pas confectionner autre chose d'incroyable. Mais c'est pas grave. Au niveau de la carte, bah ça s'agrandit. Ça s'agrandit. Bon, lui, on peut pas y aller encore. Puis là, on va arriver chez Tensei, le chaman. On y va. On y va. On a même une pierre bleue, j'ai cru voir, à côté. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, on va arriver sur les lieux tranquillou bilou. Hop.
Un petit coup d'ardoise. J'adore ce jeu. Oh waouh, sculpture. Doigt de pierre, lieu découvert. Waouh. C'est fort en chocolat tout ça. Et en effet, on a une pierre bleue là-bas. Hop. On va récupérer la pierre bleue qui se trouve ici. Main d'Aïcha. Aïcha. Je vais la faire à chaque fois. Oh, j'avais même pas vu. Oh, c'est des chèvres, je pense. J'ai un nouveau point de compétence. Est-ce qu'on pourrait voir soin primitif. Maintenez contrôle pour récupérer une barre de santé. Mais c'est déjà le cas, c'est ça ce que je comprends pas. Mais je comprends pas, je l'ai déjà. C'est ça ce que je comprends pas, j'ai déjà cette compétence, je viens de me soigner tout à l'heure plusieurs fois. Chelou ça. Révèle 50 pieds de terrain dans le menu carte. Les plantes figurent sur votre mini carte. Très bien. Mais c'est quoi ce bug? J'ai déjà ça, soin primitif, je comprends pas. Bon, pour le moment, on va pas se le mettre du coup. Mais ça, c'est pas mal. Allez. On va aller voir le chaman. Très jolie cascade d'eau, cela dit. Oh non. J'ai réussi à me bloquer. Impressionnant, me diriez-vous. Et là, je peux enflammer. C'est génial. Franchement, ça me fascine. Cette interactivité, cette interaction. Elle est juste légendaire. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Hop. Oh, par contre, c'est chiant. Je me brûle. Et Larg a déjà appuyé sur contrôle. Et je me soigne une barre. Par contre, je suis en train de détruire tout le machin du chaman. Hein. Je suis désolé. C'était pas exactement ce que j'avais prévu. Je sais que tu me réserves un très mauvais accueil du coup. Ah, par contre, je viens de comprendre le point de compétence. C'est-à-dire que même si t'as pas de nourriture, de viande, eh ben tu peux quand même te soigner. Ok, c'est ça. Bah, ouais, fallait expliquer aussi. Allez, on se bordit. Qu'est-ce qui nous attend? Par ici. Bonjour. Oh là là. T'as intérêt à être gentil quand même. Hein. Oh là. Monsieur, ça va? Padawaida, Uhaita, Tinsai. Nay, nay. Jassa. Ujassar da. Hassan. Ashai, Baja. Uguifas wasnas path. Oh non, vous savez que ça, c'est ce que je déteste dans les Far Cry. C'est la sauce Far Cry, mais c'est ce que je déteste. C'est ces... Oh là là. Vision bestiale. Dans chaque Far Cry, ils ont réussi à mettre un peu de drogue. Trouver le guide. Enfin, de drogue, de tout ce qui est psychédélique, quoi. Oh, c'est ouf. Hein. Trouver le guide. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti pour dérailler. Un petit peu. Waouh. Ah ouais. Avec des îles flottantes et tout, là. J'ai envie de lancer Minecraft carrément. Oh, c'est beau. Monsieur le guide. Monsieur le hibou.
Oh, je vole, évidemment. On a l'habitude de ça. C'est pas notre première fois ni notre dernière. Oh non. Ah, on peut remonter à tout moment, c'est pas mal. Ah ouais. Ah ouais. Je suis un hibou, messieurs dames. Appelez-moi le hibou. T'es allé dans l'eau là? Oh waouh. Je vois rien. Oh waouh. Attention, le guide commence à vous distancer de rien du tout, mon gars. Tu vas où là? Eh hey. Mais non, mais c'est abusé aussi. Mais attendez, mais là je comprenais. Je croyais que. En fait. Je pensais que c'était une cinématique et que je contrôlais plus rien là, j'ai trop le seum. C'est pas grave. On recommence. C'est pas grave. Ah, le guide commence à me distancer de rien du tout, mon gars. C'est moi qui le distance, tu vas voir. Non, mais c'est particulier parce que des fois c'est moi qui contrôle, des fois c'est pas moi, donc. Assez étrange. Waouh. On dirait un jeu indépendant comme ça là. Allez, on se voit dire. Donc il est allé là. Et il est allé là, voilà. Ah bah là on voit mieux là. Je sais pas où c'est que j'avais la tête avant, mais. Certainement pas là où il fallait. C'est magnifique. Hein. On comprend pas tout, mais. Oh là, on va ressortir d'une cascade. Oh là là. Ah. Oh non. Monsieur, attendez, parce que là, c'est compliqué là. Pourquoi je vole plus là? Ok. Oh, c'est beau. C'est beau. En fait, j'aime trop ces séquences sur Far Cry, mais en même temps, je les déteste parce que c'est effrayant des fois quand t'as des ennemis et tout. Là, en l'occurrence, ça a l'air d'être assez paisible. Pour cette séquence-là, hein, bien sûr. Parce que je pense que les prochaines séquences psychédéliques seront un petit peu moins paisibles, si vous voulez mon avis. J'arrive, hein, mais excuse-moi, tout à l'heure, je volais, maintenant, je vole plus. Donc forcément, si tu m'enlèves mes ailes, ça va être un petit peu plus compliqué. De te rattraper, voilà. On va pas se mentir. Attends-moi! Ah, il va vers la lumière. J'ai vu la lumière. Alléluia. Alléluia. C'est beau! C'est beau, c'est beau! Montre-moi quoi? Eh, hey, mais c'est pas possible! Ah! C'est reparti pour voler. Oh là là là, c'est incroyable. Montre-moi, mais montre-moi quoi? Que veux-tu me montrer? Allez, on se croirait sur Green Hell. En fait, Far Cry Primal, c'est un mélange de plusieurs jeux. C'est pas pour me déplaire, j'avoue, je kiffe. Wesh. Oh là là. Allez, on continue de voler. Oh là 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 là, je maîtrise plus rien. C'est la tempête. Oh, les îles qui volent, c'est magnifique. Ah ouais, mais il y a du vent et tout qui m'emmène vers le haut là. Enfin, attention, il y a des tornades également là. On va peut-être éviter de passer par la tornade, non? T'en penses quoi? Ah bah. Ah bah. Je me suis pris la tornade. Et c'est toujours pas fini, suivez le guide. Oh là là. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Bon, l'avantage c'est qu'on passe entre les loups sans aucun problème. Regardez ce beau tigre. C'est la seule fois qu'on pourra s'en approcher aussi paisiblement, aussi proche. Donc profitons-en les amis. Petit ours brun. Magnifique. Apprivoisé. Mais non. Vision bestiale, terminée. On a apprivoisé un hibou, les gars. C'est magnifique. C'est superbe. Heureusement que tout ça n'était qu'un rêve. Varana bandita. Subnia. Na subnia. Baran shayu. Warbdikala. Warpati. Shras! Uai, Warpati! Ubargo shayu, tu si daha! Usai, di yudi yauga daha!
Quarpati. Faran Habandata. Kubalsan Guar Habanda Magata. Ulaukawal Waida Walkwaswang. Aywa Sibargwa Shayu. Tushida Hamagata. Le maître des bêtes. Mission ajoutée au menu carte. Ça va être ça ? Non, ça c'est un événement Wenja. Lieu inconnu. Le maître des bêtes. Ah là, j'avais pas vu. Tensei, le chaman. Faut que je le retrouve de nouveau là-haut. Par contre, il y a un truc qui me dérange, entre guillemets. Alors, je sais pas si ça a été démantelé ou pas. Je suis en train de découvrir, les gars, mais... En fait, depuis le début, je vous dis que d'après moi, les dialogues... Voilà, c'est un langage, évidemment... imaginé quand même, hein. C'est un langage imaginé, on peut pas avoir la réponse exacte sur comment il parlait. Mais voilà, ça a été imaginé avec des scientifiques, enfin avec des archéologues, des recherches, machin. Je suis désolé, mais j'ai compris une dizaine de mots allemands dans ce qu'il a dit. Mais le truc, c'est que, ok, tu vois, voilà, l'histoire des langues, voilà, c'est normal qu'il y a des mots qui ressemblent aujourd'hui, peut-être. Mais ces dizaines de mots allemands, je peux même pas vous les dire parce que pour moi, il y a un truc qui est dérangeant. Alors j'ai l'impression qu'il y a un prank et je sais pas s'il y a déjà eu des trucs qui sont sortis sur internet. Mais j'ai l'impression qu'il a dit des trucs pas très cool en allemand. Je sais pas, je saurais pas s'il y a des allemands parmi vous qui comprennent l'allemand. Voilà, moi je suis alsacien donc forcément ça m'a interpellé directement. Mais il a dit des trucs un peu bizarres que je ne pourrais pas répéter parce que voilà, sinon c'est pas terrible. Bizarre. No comprendo là, bizarre. Ça me dérange un peu. Je vais pas te mentir, il y a un côté dérangeant. Ah mais il est réapparu lui. Incroyable. Bois d'aulne. Bon, vous pouvez Oh putain. Et ils voient de loin en plus les bâtards. Ils sortent d'où eux? Ah ouais. Bon, rien que le fait d'être accroupi. Hop là. Ils sont trois visiblement, hein. Ah ouais, mais ils ont cru que c'était la fête à la saucisse ou quoi? Yes. Un mort. Même pas. Un mort. Oh le nul. Oh, j'ai envie de me le faire au corps à corps lui. Yalla. Ah, l'esquive de la loutre. Bam. Dans ta gueule. Incroyable. Excusez-moi, je me suis cru sur Dead Island. Je me suis cru sur Dead Island pendant un moment, j'avoue. Ils sont où les autres? Bah, je sais qu'il y en a un là, mais l'autre il est pas... Je sais pas où il est l'autre. Bon, alors maintenant on voit les plantes hein, sur la minimap en bas à gauche. Donc ça c'est très pratique. C'est plutôt pas mal. Et attendez, on a une pierre bleue. Wesh, le portail, c'est Stargate ou quoi là? Oh, c'est superbe. Ou c'est peut-être pour aller dans le Nether. Mais on dirait plutôt la porte des étoiles, il est vrai. Allez, main d'Aïcha. Waouh. Ça donne le vertige. Ça c'est beau. Et on a un nouveau point de compétence, on va directement se l'attribuer. Alors, terrain révélé, ça c'est top. Soin primitif, allez, soin primitif. Non, terrain révélé. Le mec il sait pas ce qu'il veut. Oh merde! Ah non, c'est bon, ça a pris ça. Appuyez sur W pour appeler votre chouette. Eh ben, on a vraiment apprivoisé la chouette là? Eh non. Voilà, on a le premier drone de l'histoire. Vision de chasseur. Ok, on est où nous? On est où là? Ah ben on est là. Juste ici. Alors, envoyer bête. Alors, ralentir, je peux ralentir. Ah ouais. Ça ralentit de rien du tout. Placer marqueur, ok. Sélectionner bombe. Bon, j'ai pas de bombe encore, mais on pourra envoyer des bombes. Et envoyer bête. Vous n'avez pas de bête apprivoisée en ce moment. Ah ouais, on va avoir tous les animaux de la forêt. Ok, non, je voulais juste vérifier qu'il était pas mort en fait. Ok. Très bien. Et bah c'est très stylé, on va pouvoir apprivoiser plusieurs bêtes.
Voilà qui fait plaisir. Bon, regardons où nous sommes. J'ai placé un marqueur sans faire exprès, évidemment, ici. Bon, on a plein de points d'interrogation à voir. Aider les Wenja. Et Tensa le chaman. Trouver la tanière des loups et apprivoiser le loup blanc pour qu'il se batte à vos côtés. Mais non. On va adopter un loup, les gars. On y va direct. Mais s'il faut qu'on passe par le point d'interrogation, ça va être compliqué, hein. Parce que moi, je n'y ai point accès. Est-ce qu'on y va ou est-ce que... Attendez, parce qu'on a le TP rapide juste à côté, en vrai. Et ça, c'est quoi, lieu inconnu? Attendez. On n'est pas encore allé là. Alors, on va y aller. C'est sur le chemin. On va en profiter. On va aller voir ce qui se cache ici. Allez, vivement qu'on ait les grappins, ça va être d'une grande aide. Bon, enfin, la préhistoire, viens pas me faire croire qu'ils m'ont inventé des grappins. Là, il faudrait peut-être pas exagérer non plus des bonnes choses. Bon, après, la préhistoire, c'est long quand même, hein. Il y a eu plusieurs époques, en réalité. Fais attention à toi, il y a un ours à côté, hein. Il y a quand même eu plusieurs moments, je pense, mais... Waouh. Gentil ou méchant, là-bas? Je sais pas. Et on est censé descendre par où? Parce que là, le soleil est en train de se coucher également, là. Alors, c'est pas bien grave, mais... Waouh. J'adore les hôtels. Oh, c'est beau. Naissance du Praushoara. Oh. Je les avais pas vus, eux. Alors, on va laisser les loups s'occuper de la sélection naturelle. Voilà, évite de t'approcher de moi quand même, toi. Voilà, on va essayer de faire un petit truc rigolo. Hop, ça dégage. Voilà. Impeccable. Oh. Désolé, mon pote. C'était toi ou moi? Qui c'est qui a failli me voir là? Ah, j'ai pas compris là, je vois personne là. Ah, c'est peut-être en bas. Ah oui, c'est en bas là-bas. Putain, ils sont loin. Oh, ils voient de giga loin. Mais du coup, il y a quoi à faire ici là? Eh ben écoutez, on va envoyer le hibou. Voilà, on va descendre. C'est trop stylé. Vision du chasseur, on voit pas grand chose. Et y a que dalle à part des animaux. C'est trop stylé la vision du hibou en vrai. Ouais, y a pas grand chose mais c'est très joli. Ah si, y a un butin en vrai. Je sais pas où il est. Mais où le butin? Attendez là, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Alors évite de te faire bouffer mon hibou quand même, mais... Il y a un butin, je sais pas où il est. Peut-être... Non, oh, attendez. Eh, regardez-moi ça. Pas du tout. Oh si. Alors, bougez pas. Voilà. D'accord. Eh, on vient pas commencer à me... Hein. Ça va la comédie? J'ai envie de te dire. Toi, je te prends aussi. Ouais, alors je sais pas comment on va pouvoir faire pour descendre, mais j'ai peut-être un accès. J'ai peut-être trouvé un accès, ouais. Oula, oui, bah d'accord. Ouais, bah, alors attends, comment veux-tu? Ah, mais je peux sauter dans l'eau en vrai. Ah, mais je vais mourir. Je vais réussir à mourir en faisant ça. Alors, tu m'as pas vu. Tu ne m'as absolument pas vu. Voilà, j'ai envoyé un caillou pour faire distraction. Oh,
tape pas les débiles. Ah! Bon! Mais wesh! Voilà, faites-vous bouffer! Faites-vous bouffer! Je me casse! Eh, c'est trop dangereux ici. Y'a trop de méchants là. Y'a trop de méchants ici là. Arrêtez! Je suis gentil! Je suis gentil! Oh, là-bas aussi y'en a, y'en a partout. Y'en a partout. Ils sont partout. Bon, allez, direction Tensei le chaman. Bon, je dis ça, mais le soleil se couche donc c'est pas l'idéal. Ah, mais ils continuent de me tirer dessus en plus. Aïe! Putain, mais ils sont trop chauds. Ils sont trop chauds. Allez. Là, on est de retour chez les chèvres. Eh ben non, il y a également des loups là. Ah ouais, non mais là... Là les gars, il fait nuit là. Là il fait nuit. Est-ce qu'on peut se re-téléporter? Eh ben éventuellement ici en réalité. Parce que là c'est vrai que c'est safe, soi-disant. Waouh, regardez la nuit comme c'est beau. Feuille mauve. Donc là c'est safe. Ouais, tu m'étonnes, avec le feu, personne n'ose venir. Regardez là, il y a un loup là. Il y a un loup là, vous allez faire quoi les loups là? Ah, je suis con, je suis passé juste devant avant. Je me suis téléporté alors j'étais à côté. Ah bref, allez, on va se reposer jusqu'à l'aube, messieurs dames. Et on va aller retrouver le chaman. Parce qu'en vrai, si on peut adopter le loup, très stylé quoi. Très 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 stylé, on aura une chouette, un loup dès le début du jeu. Je pense qu'il y a moyen de faire de très 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 belles choses. Et là on est mort. là on s'est fait bouffer pendant la nuit. Ça pourrait arriver. Voilà, ce sera bien mieux de jour hein. Clairement. Voilà, on va confectionner des flèches. Couteau. Oh bien ça. Et ça sert à quoi? Comment je sélectionne d'ailleurs le couteau? Mais attends, le couteau quand je sélectionne, je comprends pas. Je comprends pas. Salut la chèvre. Allez, c'est par ici. On y va, on court. Alors tu vas te détendre déjà. Voilà. Ah, et lui il rigole pas hein. Lui il rigole pas hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Attention mon gars. On n'est pas tout seul. N'y va pas tout seul. Aïe. Ah bah il est mort. Désolé petit loup. Attends collègue, j'arrive. Oh non. Voilà. Paf. Oh non. Eh hey, mais ils sont trop nombreux. Vous êtes où là? Aïe! Il m'a empoisonné. Je me suis fait empoisonner. C'est réel. Voilà. C'est réel. Je me suis fait empoisonner comme une merde. Attends mon gars. Oh, elle aurait été belle celle-là. Mais foutez-moi la paix. Wana de rien du tout mon gars. Putain, foutez-moi la paix hein. Putain, et puis c'est pas fini, j'en entends encore. Je me chie dessus, voilà, c'est bon pour vous? Je me chie dessus, ce jeu me fait trop peur. C'est vraiment devenu un jeu d'horreur. Alors, voilà, toi tu te tais aussi. Il y en aura pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Voilà. Je comprends que je sois très demandé, évidemment. Alors. On va se la jouer discretos maintenant parce que là, on commence à s'attirer toutes les foudres.
Ça va 2 minutes. Oh, j'ai plus de bois. Faut que je me refasse du bois. Ok. Ok, ok. Oh, y'a un bug. Oh, ils sont sous la roche. C'est quoi ce bug? C'est quoi ce bug? Les ennemis sont sous la roche. Ouais, bon, d'accord. Pas le temps pour vos conneries. Oh là là. Oh là là. Bon, lui il m'énerve. Lui il me met la pression là, cet aigle. Allez. On y va tout doucement. Donc là on va aller dans la tanière des loups en plus. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, donc c'est pas au même endroit que là où je voulais aller, ça va. Wesh. Oh, ça glisse hein. Terrain glissant hein. J'avance balle au pied sur terrain glissant. Dans les jaloux, dans les tribunes, les jaloux se rassurent en se disant que je vais me casser la gueule, mais wesh, ça fait 10 ans que je leur fais vivre une expérience traumatisante. Évidemment. Ils sont combien là? Oh non. Ils sont beaucoup trop nombreux. Oh. Sympa ça. Il y a trop d'envahisseurs. C'est impressionnant. Bon là il me faut du bois. Clairement. Voilà. Parce que sinon je vais être dans le mal. Oh là là. Va là-bas toi. Oh putain, les cailloux ils servent à rien. Allez, on tente un contournement désastreux. Aïe aïe aïe. En plus avec cette icône en grand là, ça prend toute la place de l'écran. C'est impressionnant. Allez, on y arrive. Impressionnant me diriez-vous. Impressionnant me diriez-vous. Eh bien, le maître des bêtes. Trouvez le chef de meute des loups et apprivoisez-le pour qu'il se batte à vos côtés. Ok. Eh ben bon courage à moi. Appelez votre chouette. Très bien. De nouvelles aptitudes peuvent être débloquées dans le menu compétences. Très bien. De toute façon, j'ai pas de compétences là. Donc, il va falloir que je trouve le loup. Aouh. Et le terrain de jeu, je pense que c'est ici. Hein. Trouvez les Udam avec votre chouette. Quoi? Comment ça trouver les Udam? C'est pas ça que je suis censé faire. Il y a un truc qui m'échappe là. Demande de trouver les Udam, moi je veux trouver le chef des loups moi. Ou alors j'ai encore rien compris. Bon mais les Udam de toute façon on sait qu'ils sont là. Hein. Là. Chasseur Udam. Ah donc voilà les chasseurs, d'où le fait qu'il y a les loups là. Ok. Je sais plus comment on fait pour les marquer. Ah bah c'est bon, c'est marqué automatiquement. 1, 2, 3. Ils sont que 3 en vrai. En vrai ils sont que 3 hein. Ça le fait hein. Tuer les Udam chasseurs de loups. Oh bah ils méritent que ça hein. Il mérite que ça. Allez. Allez hein. Ouais d'accord. Ouais d'accord ouais. Bon. Ah oui. Ah mais il y a des loups là aussi. Ils ont spawn parce que je suis passé par là juste avant hein. Je dis ça, je dis rien hein. Ok mes amis. J'espère que vous êtes prêts pour ce qui va vous arriver.
Dommage. Dommage. Voilà. Bon, ils ont à peu près pas eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait. Trouver de la viande pour confectionner des appâts. D'accord. Eh bien, je viens d'en trouver, ça tombe bien. Attendez, hein, je me concentre, je parle pas trop, j'avoue, je suis pas fun là, mais je me chie un peu dessus, hein, pour être très honnête avec vous. Voilà. 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 Donc, je vais pouvoir confectionner enfin des appâts. Voilà à quoi sert la... On va peut-être pas tout claquer parce que ça me permet de me soigner quand même. Hein. Suivez les traces de sang vers la tanière. Ok, la tanière c'est là-haut? Ça m'étonnerait fort. Ah mince, les pauvres. Enquêtez. Ok. Pas de problème à ce niveau-là. Oh les pauvres petites bêtes. Hein. Ah les pauvres petites bêtes. C'est vraiment malheureux ce qui leur est arrivé. En fait, je retourne littéralement sur mes pas. Hein. Toi, t'es gentil ou pas du coup? Je suis pas sûr. Je pense que tu me vois, tu m'attaques à mon avis. Ah ouais. Vu sa réaction, ouais. Bon. C'est par ici. C'est de là qu'on vient en plus. Hein. C'est fait, c'est formidable. Comment ça, loup proche? Ah oui. Je peux sentir leur odeur. À 10 000 km. Ah! Eh bien... Voilà. Je suis navré, hein. Fallait pas m'attaquer. Oh, c'est un loup rare. Ça se trouve, c'était lui que je devais apprivoiser, tu sais. Suivez les traces vers la tanière. Appâter et apprivoiser des bêtes. Ah, on peut faire ça pour tous les animaux, arrête. Vous pouvez confectionner des appâts, donc ça c'est bon. Lancez les appâts pour attirer les bêtes. Pendant que la bête mange, approchez-vous doucement. Puis maintenez E pour l'apprivoiser. Appuyez sur B pour voir. Ah, mais c'est un... Non, mais attendez, c'est si simple que ça? Non, j'y crois pas. Franchement, moi j'y crois pas. Ah, du coup, j'ai compris comment lancer les couteaux. Tout ça, c'est des trucs qui se lancent. Ouais, il fallait m'expliquer ça aussi. Donc je peux lancer les couteaux, ok. Bon, là, ça va être les appâts qu'on va lancer. Allez. On va déjà se rapprocher. Parce qu'à mon avis, ça va pas être triste. Oh là là, j'espère que c'est des chèvres ça là-bas. Là. Parce qu'il y a plein d'animaux là. Il y a plein d'animaux, pardon. Ce sont des chèvres, c'est bon. Pour la plupart, en tout cas, ce sont des chèvres. Ah, là on a le loup. Ok. Ok. On s'approche doucement. Ah. Alors ça. Ça ne devait pas se passer comme ça. Ah, il mange super vite. Doucement. Tout doux la bête. Sérieux? Mais non. Oh, t'es adorable. Oh là là, t'es à croquer. Ah, oh, t'es à croquer. Vous pouvez ordonner à votre bête d'attaquer une cible ou d'aller à un endroit précis. Visez et appuyez sur G pour donner un ordre. Si votre bête est blessée, approchez-vous et maintenez-le pour le soigner avec de la viande. Si votre bête meurt, vous pouvez la réanimer dans le menu bête ou en apprivoiser une autre. Mais non, pépette. Je suis le maître des animaux. Mais c'est dingue. Je suis le maître des animaux. Alors, j'espère que ça te dérange pas que je dépece ton collègue à côté. Par contre, on était déjà là. Je suis quand même pas fou. Non? J'ai l'impression que j'étais déjà là. Attendez. Et du coup, tu vas me défendre? Tuer les Adams des environs. Ouais, attends. Est-ce que j'étais déjà là ou pas? Attendez, what the fuck? Ah oui, c'est le truc où, à exploser. Ah, donc je suis déjà allé là en fait. Ah, c'est excellent. Et bah, c'est parti, on va aller se. Voilà, tu vas te venger, mon loulou. Tu vas te venger. Bon, même si moi je suis le premier à tuer les loups, malheureusement, mais.
C'est la survie, c'est comme ça. Eh ben écoute, je vais rien faire, je vais te laisser tout simplement les dévorer. Hein. Ça va être un vrai plaisir. Ok, on arrive dans la zone. Juste là. Alors là, ce qui est chouette, c'est qu'à tout moment, je peux ordonner d'attaquer. Voilà. Mais je peux également utiliser mon hibou et à partir de là, demander d'attaquer. C'est incroyable. Envoyez bête. Ouais, regarde. Hop. Voilà. Regardez le spectacle de plus proche. Regardez le spectacle. Et hop. Et voilà. Et lui, il a rien vu venir. Attaque. Ouais. Oh, il se fait goumer, hein. Ah ouais. Ah, mais il est trop violent. Il est trop sauvage, mon loup, là. Il est trop sauvage. Le maître des bêtes. Exactement. J'adore ce jeu, voilà. Appuyez sur B pour ouvrir le menu des bêtes. Ok, donc là, du coup, j'ai donc le loup blanc et... ah, le hibou ne fait pas partie des bêtes, en fait. Le hibou, c'est vraiment à part. C'est un drone, c'est... Voilà. Wouah, mais il y a de la dinguerie ici, là. Il oh, y a de la dinguerie à... Bon, on va tous les apprivoiser, hein, je vous le dis, hein. Ah, je vous le dis, on va tous se les apprivoiser. Bon, eux, on peut pas encore. Eux, ils sont indisponibles. Donc ça, à mon avis, ce sera pour bien plus tard. Mais ouais, on va pouvoir apprivoiser des dôles. Ah, c'est bon, ça. Oh, c'est génial. Compétence, j'ai un point de compétence. Apprivoiser des canidés. Donc ça, c'est appris. Ok, donc là, j'ai rien à faire, en fait. Ça, c'est appris, ça, c'est appris. Donc là, regardez, le seul truc que je peux apprendre, manifestement, c'est les soins primitifs. Qui me permettront de me soigner même si je n'ai pas de viande. Et donc ça tombe bien. Puisque bah, la viande va être utilisée maintenant pour soigner mes animaux. Ou pour appâter justement d'autres animaux. Là, ça fait plaisir messieurs dames. C'est très très bon ça. Nouveau spécialiste Wenja. Ah oh, le chaman nous a rejoint. Ouais, ça j'ai compris comment ça fonctionnait. Et on a donc 12 villageois au total. Ça commence à faire pas mal. Et un nouveau point de compétence de nouveau. Alors attendez, je peux rien... Bah non, bah je l'ai claqué déjà. Qu'est-ce qu'on a là-bas? C'est quoi ça? Événement Wenja, allez. On va s'arrêter là les amis, on va se faire le petit event. On va se faire le petit sauvetage. Tuer les envahisseurs et sauver les Wenja capturés. Alors, j'aimerais bien le faire sans ma bête. Et alors comment je fais? Alt? Ah non. Ça c'est pour le faire venir. Je peux pas lui demander de partir? Soigner bête, non y a pas besoin. Je suis radin. Maintenir et appuyer sur G. Rappeler la bête. Ah, je peux pas le... Ok. Bah t'as pas intérêt à casser mes infiltrations. Hein. T'as pas intérêt à casser mes infiltrations. Si je te demande pas d'attaquer, tu n'attaques pas. D'accord. Bon. On va aller sauver nos amis. Histoire d'augmenter la population à une vingtaine d'individus. Pour commencer, ce serait pas mal. Ah bah. Hop. Voilà. Ah, il y en a un deuxième a priori. T'es prêt à attaquer, loulou? Attaque! Incroyable. Ah, d'abord il faut qu'il le tue. Voilà. Hop. Eh hey, mais je t'ai déjà libéré toi tout à l'heure. Tu foutrais pas un peu de ma gueule? Ah, c'est un prank. Bon, c'est vrai que j'ai l'impression que tout respawn un petit peu de n'importe comment. Bon, c'est pas bien grave. Et donc du coup, attends, je confirme le couteau, je peux l'envoyer alors. Ah, c'est ça, ouais. Oh là là, on va se régaler. On va se régaler, on va faire des actions de folie. Et en plus, il mange, il se soigne tout seul. Regardez, il se soigne tout seul. Mais non, mais c'est incroyable. Mais c'est bien, mon loulou. Je voulais pas te caresser en réalité, mais c'est très bien. Oh, c'est fou. Complètement dingue. Bon. Eh bien, une bonne chose de faite, un épisode absolument incroyable qui annonce évidemment que du bon pour la suite de notre incroyable aventure. J'ai absolument adoré. Bref, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir et on se retrouve très vite pour la suite de Far Cry Primal. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde. Si tu veux soutenir davantage, écris dans le chat. Ton petit commentaire qui fait plaisir, c'est un pur bonheur. Mais la cache nouvelle vidéo en ligne à 16h.